Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la 9ème partie de ce walkthrough sur Métro 2033, Redux. En retournant sous terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. Autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Écoute-moi bien. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Je me souviens de cette grille. On a qu'à... Merde. Je rentre pas dedans. Bon, reste ici. Le premier dedans... Ça roule. Attends. Attends. Qui va là? Hé, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Non, mais bien sûr. Alors, allons voir le chef. Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. On se magne. On finira ça plus tard. On se magne. On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ouais. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Mauvaise touche. Existe-t-il un seul usurier dans tout le métro à qui Bourbon ne doive pas de l'argent? Ou un dangereux criminel qu'il n'aurait jamais froissé? Ce type a le monde entier à ses trousses. Et cette fois, il semble que sa chance ait fini par tourner. Je me fiche bien de ce qu'il peut lui arriver. Enfin, je devrais. Et pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à l'abandonner à son triste sort. Sukhoi, mon beau-père, m'a dit un jour. Si tu sauves quelqu'un une première fois, tu devras continuer à le sauver toute ta vie. Impossible de ne pas se sentir responsable d'une personne qu'on a sauvée de la mort. C'est pour cette raison qu'il m'a pris sous son aile à la mort de ma mère. Et c'est probablement pour cette raison que je me sens incapable d'abandonner Bourbon aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Badji m'a dit de pas manger cette plaie. Je t'ai pas écouté. C'est flippant. Quel crétin. Ouais. Je suis un crétin. J'ai trop mal. Merde. Je reviens dans une minute. T'as du mal à te retenir? Merde. Ils sont passés, les gars. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben alors donne-moi mon chargeur. Hein? Faites quand même gaffe avec ce flingue parce que c'est pas une des armes les plus précises, donc si vous voulez faire des tirs à longue distance, faudra se préparer à tirer 2-3 balles. Celui en haut, de ce côté-ci, on pourra pas le fouiller. Alors ce flingue, il a peut-être l'air sympa parce qu'il a 4 canons, mais il faut pas oublier qu'on tire systématiquement 2 cartouches à chaque fois. Donc c'est pas spécialement indiqué pour la conservation de munitions. On peut évidemment tirer les 4 à la fois même, mais ça ne sert absolument à rien. Bon, c'est bien sympa parce qu'on a un point de karma, mais ça dure longtemps quand même. Qui est-ce que t'as amené avec toi? Réponds, enculé, ou je te mets une balle dans la tête! C'est le Born? Oui, peut-être! Artyom!
Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami, ne te gêne pas. Reste ici. Il faut croire que les types comme Bourbon sont nés avec la corde au cou. Ils passent leur vie à jouer avec le feu, risquant tout ce qu'ils possèdent chaque jour que Dieu fait. Et ils pensent pouvoir continuer éternellement. Mais on ne peut pas tromper la mort. À force de marcher au bord du précipice, on finit par tomber. Pourquoi est-ce que j'écris tout ça ? Pour me persuader que je ne suis pas coupable de sa mort ? Qu'il devait tôt ou tard y passer à cause des risques qu'il prenait ? Non. J'écris tout ça pour faire taire cette petite voix dans ma tête qui ne cesse de me répéter que j'aurais pu le sauver. Que j'aurais pu donner une autre direction à sa vie. Qu'il n'était pas si mauvais finalement. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous façonne. Et de quel droit Khan se permet-il de le juger ? Sage décision. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et n'hésitez pas également à aller dans la description, où se trouve un lien vers ma chaîne Twitch et mon Discord. Sur ce, à plus tout le monde, et bon frag!